La difficulté que Mungo raconte dans notre département de Logolon, c'est la route. La route n'est pas passable, comme vous le voyez. Nous sommes abandonnés de nous-mêmes. Et pourtant, nous, on fait vraiment un grand travail. Quand il s'agit de vote, on vote pour le parti unique. Mais malheureusement, nous sommes oubliés, abandonnés de nous-mêmes. Vous voyez aujourd'hui là, Mimongo est dans le noir. On dort, ça fait au moins des semaines, on est dans le noir parce qu'il n'y a plus de passage pour que la voiture puisse arriver à Mimongo. Donc c'est ce qui nous cause à Mimongo. Qu'est-ce qu'on a fait à Mimongo? Est-ce que Mimongo est hors du Gabon? Ou bien Mimongo est dans le Gabon? Pourquoi est-ce que vous nous avez abandonnés? On est abandonnés de nous-mêmes. Par rapport au transport de personnes pour Mimongo Mouila, 96 km Mimongo Mouila, on nous demande 15 000 la tête. Heureusement, là, ils ont eu pitié de nous. Ils ont baissé à 12 000 la tête, sans bagage. Bon, maintenant, avec les bagages, on fait comment? La fois dernière, j'ai perdu ma petite nièce là. Rien que pour Mouila Mimongo. C'est tout un problème. Bon, maintenant, on fait comment? On vit comment? Est-ce qu'on évolue? On s'affaisse. Arrivé à 10 km, la fille. La fille, elle a trouvé la mort là. Parce qu'il y a un problème de véhicule. Aujourd'hui, on va te demander 100 000 ou 90 000 pour Mimongo Mouila. Bon, ici, on n'a pas le travail. On fait comment? Il y a des problèmes. Trouvez la solution du Gabon. Le Gabon est en train d'aller vraiment à l'envers. Trouvons la solution du Gabon. C'est pas comme ça comment le Gabon marchait avant, comme maintenant.